Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du Fabric Skin Keyboard Folio pour iPad de chez Logitech, un produit que vous pouvez retrouver au prix de 149 € directement chez Logitech ou sur les différents sites marchands habituels. Alors, qu'est-ce que c'est le Fabric Skin? En fait, tout simplement, c'est un étui de protection pour iPad avec clavier Bluetooth intégré. Il fonctionne sur iPad 2, iPad Retina et New iPad Retina. En fait, tout simplement, les trois dernières versions d'iPad 10 pouces. On va retrouver, vous voyez, sur la surface, un revêtement en cuir synthétique mat. Il existe différentes couleurs. Là, on a la version black et blanche. Il existe du rouge, du bleu, du jaune. Je vous conseille d'aller voir directement sur le site de Logitech parce que les couleurs et les revêtements sont différents. Il y a d'autres revêtements avec du coton de grande qualité à tissage fin ou du tissu résistant. Il y a vraiment différents revêtements. Là, c'est vraiment la version en cuir mat qui est plutôt sympa et qui permet de donner un aspect vraiment très bien fini et très agréable. On va faire un peu le tour de cette pochette, un peu comme d'habitude. Et puis je vous donnerai mon avis. Là, ça fait un petit mois que je l'utilise. Vous allez voir, c'est plutôt positif, même si elle est un petit peu onéreuse. Autrement, au niveau du packaging, on retrouve une boîte, vous voyez, plutôt simple, qui est plutôt bien finie avec la documentation technique. Ça, c'est plutôt bien fait avec un petit aimant. Boîte plutôt sympathique. On va retrouver un câble USB que je vous montre pas pour recharger tout simplement le clavier Bluetooth. C'est un câble USB, micro USB, de tout ce qui est plus classique. Alors, au niveau de la protection, on va revenir dessus. Je vais vous montrer un peu les différentes fonctions. Vous voyez, ça laisse place à la prise dock. Là, on a du Lightning, vu que c'est un iPad, New iPad. Mais ça fonctionne aussi avec une prise dock, il n'y a pas de souci. On retrouve l'emplacement pour le haut-parleur. Ça nous donne accès, vous voyez ici, à la tranche et à rien. Prise jack 3,5, le micro, le bouton power, et sur le côté, verrouillage et le bouton plus moins du volume. Vous voyez, les boutons sont plutôt gros et fonctionnent plutôt bien. Ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, il n'y a aucun souci. Dessus, en fait, tout simplement, on vient glisser son iPad dedans. Je vous montre pas, c'est un petit peu embêtant à mettre en place, mais bon, ça se fait plutôt bien. On vient tout simplement le glisser, puis il n'y a pas de problème. Au niveau du clavier, on va retrouver dessus un revêtement qui supporte l'eau. Donc si vous faites tomber une boisson dessus ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Ça se nettoie sans difficulté à l'eau, il n'y a pas de problème. Et pour l'activer, tout simplement, vous venez mettre l'iPad de cette façon. Vous voyez, le petit voyant vient s'éclairer. Hop, en bleu, si j'arrive à le montrer, voilà. Et là, l'iPad est en fait synchronisé avec le clavier. Et là, on peut l'utiliser. Il n'y a aucun souci. On retrouve un clavier AZERTY. Il existe bien sûr pour différents autres pays, en QWERTY, en Quartz et compagnie. On va retrouver aussi ce qui est plutôt sympa sur la partie haute, là, notre bouton Home. Alors, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Alors, c'est un peu compliqué. Vous voyez, on retrouve notre bouton Home et différents raccourcis qu'on utilise avec la touche FN, un peu comme sur un portable, pour lancer Internet, régler le son directement sur le clavier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite des fois de rechercher ou si les boutons ne sont pas accessibles. On a tout sous la main. Ça lui donne, et je vous l'avoue, un grand look un peu Microsoft Surface au niveau de la tablette. Comme je vous avais dit sur le test de la surface, j'aimais le principe du clavier assez plat, je trouvais ça plutôt sympa. Et c'est vrai que c'est pratique pour taper du texte. Là, le clavier est très agréable. Ça ne fait pas un effet cartonné comme il peut avoir sur la surface. C'est quand même un tout petit peu épais. Voilà. Je voulais vous montrer juste le système, vous voyez, pour recharger en micro USB qui est juste ici. Et on a un bouton reset et le bouton à côté pour l'appairer au niveau du Bluetooth. Il n'y a rien de compliqué, ça se fait sans problème, l'iPad reconnaît sans difficulté. Voilà, il existe cette position-ci pour taper du texte, et si vous ne voulez pas taper du texte, tout simplement comme ceci, pour le mettre à plat. Ça le met un peu en version, vous voyez, un peu pupitre, c'est plutôt pratique si on veut ne pas avoir besoin du clavier, et puis sur un bureau ou pour regarder ses vidéos et tout, c'est assez pratique, c'est pas mal.
Donc voilà, les prix sont quand même plutôt accessibles, hein. La prise de jack, si vous avez même des grosses jacks, trucs un peu embêtants, bah, ça passe sans trop de difficultés. Le lightning aussi, hein, et aucun souci. Le poids, alors ça c'est quand même un truc à parler. Le poids juste de la housse et du clavier fait 565 grammes. Il faut savoir que l'ensemble environ fait 1,2 kg. On n'est pas loin d'un MacBook Air hein, quand même. C'est un petit peu lourd, c'est le truc un peu dommage. Mais bon, autrement, bah, ça protège bien, hein, y a pas de souci. Vous voyez, refermé, y a aucun problème. Vous voyez, hein, l'objectif aussi est libre. Franchement, le revêtement est très agréable au toucher. C'est assez doux, c'est plutôt bien fini. Que vous dire d'autre là-dessus? Je vous ai pas parlé d'une chose qui est assez importante, c'est le clavier Bluetooth, c'est son autonomie. Depuis que je l'utilise un mois, je ne l'ai pas encore rechargé. Alors, je ne peux pas vous dire plus que ça, mais apparemment, on peut l'utiliser pendant 3 mois à 2 heures par jour. Donc, en recharge complète. Moi, je suis à plus d'un mois et je l'utilise assez souvent. Peut-être pas 2 heures par jour. Et pour le moment, je n'ai pas eu besoin encore de le recharger. Donc, vraiment super économique ce clavier Bluetooth. Comme je vous disais, hein, il est très agréable au toucher. Pour taper dessus, on sent quand même le retour un peu des lettres. C'est vraiment bien fini. On peut taper quand même pas mal de textes sans trop se faire mal aux doigts. J'ai utilisé beaucoup là en vacances pour vous, bah, tout simplement vous répondre ou pour envoyer des messages, des mails, des choses comme ça. Même faire des modifications sur le site, il n'y a aucun souci. On peut taper du code, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, en plus, l'inclinaison est plutôt bonne. On peut regretter qu'il n'y ait pas un autre, en fait, vu qu'il y a des aimants, un autre système un peu plus incliné ou des choses comme ça. On est bloqué, vous voyez, de cette façon-ci. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus désastreux, hein, il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais bon, c'est vrai qu'il y aurait une autre position avec peut-être un peu plus incliné. Ou... Bon, voilà. Le système d'aimant, ben, en plus, là, il est vraiment bien maintenu. Vous voyez, hein. Ça, en fait, c'est tout simplement aimanté. C'est assez rigolo. Et pareil, hein, quand on le ferme, il y a un aimant pour fermer l'iPad ou l'ouvrir comme sur un smart cover. Donc c'est vraiment un produit hein, très très bien fini. Logitech a vraiment mis la barre haute hein, sur ce produit-là. Il est, comme je vous disais, le clavier est très agréable. J'ai pas eu besoin encore de le recharger. La finition là pour le cuir mat hein, synthétique, je vous parle, est vraiment superbe. Petit regret, ça attache assez facilement. Bon, ça attache. Ça marque assez facilement si vous avez des fois des éclaboussures, des choses comme ça. Il va falloir le nettoyer. Bon, prenez un chiffon et puis un peu d'eau, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, ça laisse un peu de traces. Bon, voilà, il n'y a rien non plus d'exceptionnel. C'est pas comme, par exemple, chez Samsung, leur Glossy, alors là, qui marque vraiment les doigts. Mais on a quand même des traces d'utilisation. Le fait que ça soit blanc aussi sur la partie intérieure peut salir un peu plus facilement. Voilà, autrement, c'est un très très bon produit que je vous conseille, mais alors, sans problème. Petit regret, ouais, le fait des tâches, le prix, hein, quand même 149 €, c'est un petit peu élevé. Mais bon, la qualité est là, Logitech a vraiment fait un très bon effort. Aussi, pour vous rassurer, l'étude protection est garantie 3 ans par Logitech. Ça, c'est plutôt assez exceptionnel. Souvent, c'est des produits qui sont garantis qu'un an. Là, on est garanti 3 ans, donc c'est plutôt une bonne chose. Pour les coloris, ouais, alors, je vous ai pas tout dit, mais c'est vrai qu'allez voir. Il y a des choses un peu originales, des trucs plutôt sympas. Là, moi, j'ai voulu faire plus sobre. Là, je l'utilise quand même pas mal, hein, comme je vous disais, bah, quand je suis en déplacement pour vous répondre les choses comme ça. Et ça fonctionne très, très bien. C'est peut-être ce qui me manquait, en fait. Je cherchais souvent, vous voyez, des tablettes sous Android ou sous Windows. Et en fait, c'est peut-être un iPad avec ce type de clavier qui me correspond le mieux. Pour mon utilisation, hein, c'est ce que je cherchais. En fait, Logitech l'a fait pour moi. Non, vraiment un très bon produit. Ça fait, ouais, ça fait l'équivalent d'une Asus Transformer. Hein. Bon, on est un petit peu lourd hein, quand même, 1,2. Mais bon, voilà. Après, au coût, quand même, c'est moins cher qu'un MacBook Air. Parce que l'iPad, je crois qu'on est dans les 500 €. Hein, les new iPad, même un iPad 2, c'est un peu moins cher. Et là où, ça, 149. Donc, on est quand même à. Ouais, on est à 650 €. On est quand même en dessous du MacBook Air qui est à plus de 1000 €.
Donc voilà, non, vraiment un très très bon produit que je vous conseille sans problème. Que vous dire de plus, bon, on a fait le tour, on a en plus un revêtement, vous voyez, en caoutchouc. Il est vraiment super bien protégé, hein, l'iPad, il n'y a aucun souci, vous voyez, en plus il y a le bord noir, il risque pas de s'en aller. Donc voilà, on trouve une partie un peu plus dure sur la partie là, sur la partie haute. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un très très bon produit. Peut-être, ouais, le regret aussi qu'il n'y ait pas de... Ouais, qui n'est pas une deuxième position, troisième position un peu plus inclinée. Mais ça aurait été compliqué dans la conception, donc je pense que c'est pour ça que Logitech ne l'a pas fait. Donc voilà, c'était le test de la Fabric Skin. Fabric Skin, ouais, c'est ça. Parce que le nom est quand même assez compliqué chez Logitech. C'est la Fabric Skin Keyboard Folio pour iPad de chez Logitech. Voilà, bah, je voulais comme toujours vous remercier. Hein, vous êtes de plus en plus à me suivre. Et ça me fait super plaisir et super chaud au cœur. Je vous le dis à chaque fois, je vous dis merci. Mais c'est ce que je pense et c'est toujours très agréable de lire vos messages, vos commentaires, d'essayer des fois de débattre sur différents avis, machin et tout. Donc c'est vraiment un pur plaisir. Et puis je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao !